Bonjour tout le monde, hello hello. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aude, bonjour Babou. Mais je vous en prie avec plaisir, merci de me remercier pour ce tuto, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Coucou Drindrin, bonjour Héloïse, coucou Sophie, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, il est 14h, coucou Lynn. Coucou Mumu. Et comme chaque mercredi, eh bien, on se retrouve pour un live créatif toutes les semaines à la même heure. Coucou Laurence, bonjour Martine. Je vais essayer de faire coucou à tout le monde, mais je suis sûre que je vais en rater, puisque du coup, j'ai pas toujours à chaque seconde les yeux sur les commentaires. Je suis désolée si j'en oublie certaines d'entre vous, ne m'en voulez pas. En tout cas, je vous souhaite à toutes la bienvenue. J'espère sincèrement que vous passerez un bon moment. Coucou Marie-France, bonjour Laurence, comment ça va? Donc voilà, nous sommes mercredi et aujourd'hui nous allons réaliser une petite carte 3D qui a eu l'air de vous plaire, en tout cas lorsque je vous ai proposé le projet. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire, mais par contre ça a vraiment un effet waouh quand on la reçoit par exemple. Coucou Fabienne, coucou Ticia. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Et je vais quand même me présenter, je suis Harmonie Marais et je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis janvier 2020. Et donc j'ai commencé mes premiers lives au mois de février 2020, ou mars, je crois, mars. Et depuis, chaque semaine, on se retrouve pour mon plus grand plaisir en tout cas, et j'espère que pour vous aussi. On approche à grands pas du centième live. Je vous prépare une petite surprise à cette occasion. Et donc, il aura lieu le 6 avril. Retenez la date. Coucou Francette, comment ça va? Coucou Sandrine. Oui, Laurence, j'imagine que c'est pas la grande forme. Je te souhaite bon courage en tout cas. Coucou Nathalie, ça va ma belle? Alors, les petites infos de la semaine avant de démarrer la création de cette petite carte. Il y a quelques infos déjà. Oui, déjà Fabienne, bientôt 100, ça va trop vite. J'ai pas vu le temps passer. Coucou Viviane, comment ça va? Alors, les infos de la semaine. Nous sommes toujours en période promotionnelle, vous le savez. Stampin' Up vous propose la mini machine de découpe et une sélection en fait de lots tampons poinçons adaptés bien sûr à la dite machine et tout ça à moins 20% jusqu'à la fin du mois de mars. Donc vous avez un aperçu donc de la mini machine de découpe à l'écran et un aperçu bien sûr d'un lot, mais il y en a une sélection beaucoup plus importante évidemment. Vous retrouverez les liens dans la publication en haut de la vidéo sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube. Vous allez voir, la mini machine, elle est super pratique. On peut l'en transporter partout, elle est hyper légère. Je vais l'utiliser tout à l'heure, vous verrez, je vous montrerai à quel point elle est utile, pratique quand on a un petit espace ou qu'on est complètement accro et qu'on ne part pas en vacances sans sa mini machine et sans son matériel de scrap. En tout cas, ça, c'est l'idéal. Pardon. Coucou Marie-France, comment ça va? La deuxième, du coup. Hello Coco, ça me fait plaisir de te voir ici. J'espère que ça va, ma bichette. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire comme info? Oui. Mais pour ça, je vais retourner ma caméra pour que vous puissiez avoir un aperçu. Peut-être avez-vous vu passer que j'organise pour fêter le printemps une crop virtuelle. Comment ça se passe? En fait, tout simplement, vous vous inscrivez et je vous envoie en fait le kit pour réaliser un album. Et on se retrouvera le 26 mars en Zoom pour le réaliser ensemble, tout simplement. Donc j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, je clôture les inscriptions, ou disons plutôt ce soir, je clôture les inscriptions. Donc vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur mon blog. Et vous avez donc toujours en haut de la vidéo sur Facebook le lien vers la crop virtuelle, vers l'article qui va vous donner plus de détails. Et sur YouTube, bien sûr, en bas
dans la barre d'infos. D'ailleurs, dans tout ça, vous avez plein d'autres liens qui peuvent vous être utiles. Donc, n'hésitez pas à ouvrir cette barre d'infos ou à aller jeter un œil sur le détail de la vidéo sur Facebook. Coucou Sandrine! Coucou tout le monde, coucou Isa, comment ça va? Donc du coup, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble un petit peu cet album, parce que je sais qu'il y a eu plein de petites curieuses qui m'ont dit, ben oui, mais on ne sait pas à quoi il ressemble alors. Je vais vous le montrer rapidement, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails quand même, mais voilà, ça vous permettra de vous faire une idée de ce qu'on va pouvoir faire ensemble. C'est quelque chose de très simple, voilà. Vous allez voir. Et une dernière petite info qui me tient à cœur. Je voulais vous annoncer que nous avons rebaptisé le nom de notre équipe qui avant s'appelait la Team Harmony Scrap. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus réaliste, concret et qui nous ressemble un petit peu plus aux membres de l'équipe et à moi-même. Donc je les ai interrogés, je les ai sondés, je leur ai demandé leur avis pour avoir bien sûr leur avis et puis qu'ils m'aident pardon à trouver donc ce nouveau nom. Et ça y est, notre équipe a enfin un nouveau nom qui nous correspond parfaitement. Et du coup, je vais, pour faire encore plus simple, vous le présenter. Voilà. Donc, mon équipe et moi-même, nous nous appelons les Stamp Lovers. Voilà, les amoureux des tampons, de Stampin' Up, voilà. Voilà, c'était la petite info. Donc, si vous avez envie de rejoindre cette belle équipe des Stamp Lovers, eh bien, allez-y, profitez-en. Sachez que vous pouvez aussi, là, en ce moment, en rejoignant l'équipe, bénéficier de la promo, c'est-à-dire des 20%, notamment sur la mini-machine. Donc, c'est encore une belle occasion pour en profiter. Voilà. Allez, je vais tout de suite passer à la deuxième caméra. Comme ça, on va pouvoir découvrir la carte et puis je vais vous montrer donc l'album. Merci Marie-France, je suis contente que ça vous plaise. Coucou Nathalie, comment ça va? Alors, donc voilà, vous avez déjà la carte qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous la remontrer un petit peu plus tout à l'heure. Et pour ce qui est de l'album, donc, alors, allez, on met la carte de côté pour l'instant. Voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un album vraiment tout simple avec la collection bien chez soi que j'aime vraiment beaucoup. Pardon, je suis désolée. Bonjour Anne, comment ça va? Bienvenue, coucou Véronique, hello Karine. Hop, je vous montre là. Donc on a trois pages. Alors, j'ai demandé l'autorisation, bien sûr, aux personnes qui complètent cet album sur les photos, si elles acceptaient, bien sûr, que je vous montre l'intérieur de cet album. Donc, j'ai eu leur accord. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de vous montrer mes petites photos avec. Alors, voilà. C'est des petits souvenirs du Portugal. Donc, là, pour que vous voyez un petit peu mieux, voilà, on a le gaufrage sur les pages. Voilà, en gros, je vais vraiment aller très très vite, hein, c'est pour vous donner un aperçu vraiment rapide de ce que ça va donner. Voilà, pour celles qui le connaissent, vous reconnaîtrez Chouchou. Et en fait, bon, c'est mon frère, mon neveu, le premier, mon frère, mon neveu, et ma petite belle-sœur quand elle était enceinte. Mais maintenant, Milo est arrivé. Voilà. Coucou, Cécilia. Stamp lover un jour, stamp lover toujours. Coco, j'adore. Je suis d'accord. Merci Isa. Donc voilà, c'est cet album que je vous propose de réaliser donc avec moi le 26 mars. Clôture des inscriptions ce soir, au plus tard demain matin pour que je puisse valider ma commande et avoir le temps de préparer les kits et ensuite vous les envoyer pour le jour J. Donc, à vos clics. Allez, on y va, on est parti. Merci Marie-France, c'est gentil. Pour cette petite carte qu'on va réaliser aujourd'hui, voilà, donc tout en volume, ça change un petit peu. Laurence, oui, en effet. Voilà, et du coup, on a quand même l'intérieur pour pouvoir écrire parce que du coup, là, vous allez me dire, ouais, mais
Eh bien, si, 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 c'est une carte qui s'ouvre comme une carte basique, donc on a de la place, mais du coup, ça donne vraiment le champ complètement libre à tout ce volume ici pour cette jolie carte. Alors, vous reconnaîtrez probablement la collection cueillette de pêche du catalogue annuel. Nous arrivons à la fin de ce catalogue annuel et du coup, j'avais envie de le remettre un petit peu à l'honneur et également avec, comme vous le voyez là, non, c'est l'autre côté. Ici, c'est un lot donc qui fait partie de la promo des moins 20%. Voilà. Donc c'est le moment, s'il vous plaît, de ne pas, s'il vous plaît, pardon, si le lot vous plaît, je vais y arriver. C'est le moment, il est à moins 20%. Et donc bien sûr, j'ai utilisé les tamponnages, le set de tampons qui vont avec, avec ces magnifiques pêches. Regardez cet effet incroyable. Hop, on est à l'intérieur, on a bien sûr les découpes. Je vous montre un peu plus, voilà. Et j'ai coordonné en fait cette fois avec le papier de la collection tous ensemble. Voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec une autre collection du catalogue annuel, toujours. Mais du coup, eh bien, ce sera Pétale de Pensée, qui est elle aussi une collection absolument magnifique. Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi et on l'a un petit peu oublié, je trouve, et c'est quand même un peu dommage. Alors, mes papiers sont ici, voilà, et je voulais juste vous dire une petite chose, c'est que avec le lot que je vais utiliser aujourd'hui, eh bien celui-ci, il est également à moins 20%. Voilà. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui pour réaliser la carte avec vous. Alors, est-ce que ça vous plaît? Déjà, pour commencer, est-ce que vous avez hâte d'attaquer la création de cette petite carte? Dites-moi tout. Dites-moi, dites-moi. Alors, je suis en train de réaliser que mon coupe-papier s'est fait la belle. Alors, je vous mets déjà ici la mesure de la base de la carte 1 pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps de récupérer les mesures. Donc elles seront indiquées comme ça sur un post-it tout le long du live. Mais pas d'inquiétude et pas la peine de vous agacer à prendre les notes rapidement. Bien sûr, vous aurez sur mon blog après le live la fiche technique, le replay vidéo évidemment, et la liste du matériel, des produits que j'aurai utilisés donc pour la création de cette carte 3D. Je fais 2 mètres et je récupère mon coupe-papier. Ne bougez pas, je suis toujours là. En attendant, dites-moi dans les commentaires si vous préférez les pêches ou les pensées. Me revoilà. Ça a été rapide, hein. Ok. Alors, hop. Coucou Myriam, comment ça va? Ah, Marie-France est prête, c'est super. Héloïse, tu choisis les pensées. Nathalie aussi. Babou Bleu, comment vous appelez-vous, Babou Bleu? Bienvenue en tout cas. Sophie préfère les pêches. Lynn, les pensées. Viviane, les pensées. Martine aussi. Coco, impossible de choisir. Bon, bah voilà, écoute, tu feras avec les deux versions, tiens. Voilà une bonne idée. Je vais ouvrir là, j'ai un peu chaud. Alors, la base de la carte. Toute simple comme d'habitude, hein, 21 par 14, 85, et on fait un pli toc à la moitié sur le bord long, c'est-à-dire à 10 et demi. Babou bleu, les deux aussi, parfait. Francine, les pensées. Drin drin. Bon, préférence pour les pêches, mais je suis sûre que tu vas me faire changer d'avis. Non, tu vas juste aimer les deux, ça c'est sûr. Coco, oui, bonne idée, n'est-ce pas? Fais les deux. Bonjour Christiane, les pensées également. Bon, bah c'est super, écoutez, c'est parfait, tout le monde a l'air satisfait en tout cas, donc c'est génial. Ok, ça va être la base de ma carte, je vais la mettre de côté, elle est prête, on va s'occuper du reste. Je vois plein de petits cœurs s'envoler, j'adore. Vous retrouverez, grâce à notre chère Sandrine, également les mesures dans les commentaires. Donc vous les avez là sur le post-it, vous les retrouverez dans les commentaires et après le live sur la fiche technique qui sera disponible au téléchargement sur mon blog harmoniescrap.fr. Voilà,
Ben, cette fois, vous avez tout. On peut continuer. Alors, nous allons prendre le morceau de papier uni. Et donc là, je suis partie sur du papaïpal. Merci, Héloïse. Oui, j'avais envie de changer de couleur un petit peu, mais je pense que je vais bientôt reprendre le rouge. Coucou Béatrice, coucou Sandrine. Donc un morceau de papier uni 14,4 par 10 cm. D'accord, on va venir lui faire 3 plis, vous allez voir. Simplement 3 plis, rien de plus. Ça va être très simple. Coucou Véronique, comment ça va? Je vous donne les autres mesures du papier uni avant qu'on démarre les plis et les coupes. Alors, toc. Il vous faudra également deux morceaux de papier uni qui mesurent 14,4 par 5. Toujours, je suis restée donc dans le papaïpal. Coucou Muriel, bienvenue ma belle. Ok, donc il vous en faudra deux morceaux. Concrètement, ces deux morceaux-là correspondent à nos deux parties avant ici. D'accord? Et ce morceau-là de 14,4 par 10 correspond à celui-ci. Je suis sûre que ça commence déjà à faire le chemin dans votre tête. Toc. Voilà. Alors, on y va. On va commencer les plis. Je vais donc, ça je le mets de côté. Je vais prendre donc le 14,4 par 10. Ok. Et je vais venir faire un pli tout simplement à la moitié sur le bord court, c'est-à-dire à 5 cm. J'espère que tout le monde est prêt. Encore une fois, pas de pression. Toc. Juste un bon moment ensemble à partager la création de cette petite carte. Donc, hop, rien de compliqué. Nous avons fait un pli à 5 cm sur le bord court de notre papier. Voilà, je fais comme d'habitude, je vais mettre les petits post-it ici. Coucou Maroutine. Voilà. Alors, je vais mettre celui-ci de côté et je vais venir faire les deux autres plis sur ces morceaux-là. Vous allez voir. On va d'abord faire les plis de moitié qui sont faits, pardon, sur le coupe-papier. Et puis pour ce qui est des diagonales, je vais les faire dans un second temps et on va faire ça sur les trois morceaux. D'accord? Donc maintenant, je prends mes papiers de 14,4 par 5 et je viens. Je suis perdue dans mon truc. Ah si, c'est bon. Et je viens faire un pli à la moitié sur le bord long. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Donc, sachant que mon morceau ici fait 14,4, je viens donc faire un pli sur le bord long à 7,2, ce qui est tout à fait logique. Voilà, je fais pareil sur le second. Hop, 7,2. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en train de regarder le live et qui font la création en même temps? Ah, bah justement, Laurence nous dit qu'elle ne fait que regarder aujourd'hui. Pas de place sur mes bureaux, j'ai réaménage, masque à prom. Ouh, oui, alors j'imagine que ce doit être quelque chose, ma belle, mais c'est super. Ça va te faire du bien, c'est certain. Je mets ça de côté pour l'instant, je vais le reprendre ensuite. Donc voilà. J'ai mes trois morceaux, donc celui-ci ira en haut et ces deux-là viendront en bas. Jusque-là, tout va bien. Marotine, non, je t'admire. Babou et Scrap en même temps, super. Héloïse aussi, Marie-France aussi. Bon, Sophie aussi, génial. Nathalie, je regarde et je note. Moi, je ferai après. J'aime bien regarder d'abord. Oui, Marie-France, je sais que ça a un côté rassurant de d'abord regarder une première fois et puis de se lancer après dans un second temps. Alors, je reprends le premier morceau de 14,4 par 10 que j'ai plié à la moitié, c'est-à-dire à 5 cm. OK? Je vais, donc là, je le réouvre chez mon pli au centre. Je vais venir faire une toute petite marque au crayon qui est vouée bien sûr ensuite à être effacée, vous vous en doutez.
à 7,2. Ok, sur le bas. Alors, toc. Donc mon papier viendra se coller par ici sur ma carte. D'accord? Donc c'est sur la face avant que je viens marquer à 7,2. Alors, je vais essayer de me rapprocher sans que vous ayez ma tête en pleine face. Voilà, donc là j'ai ma petite marque à 7,2. Pardon. Je m'étouffe. Excusez-moi. Je suis désolée. Alors, Véronique, tu regardes et tu fais après, bien sûr, pas de souci. Scrap avant de voir le banquier. T'as raison, profite de la pause. Hein. Aère-toi avant. Et tout simplement, maintenant, je vais venir tracer une diagonale ici et une diagonale ici en pliant. D'accord? Pour venir créer en fait cet effet-là, pour créer nos triangles ici. D'accord? Donc si on remet la carte à plat, je vais mettre ça de côté pour pas vous. Ah, veux-tu? Ok, donc on est sur cette partie-là. Donc on a fait la marque ici et on vient tracer nos diagonales ici et là. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, c'est parti. Donc, je me positionne à ma marque et bien sûr, donc on s'arrête à la ligne de pli horizontale qu'on a déjà faite avant. Toc. Voilà. J'en profite pour faire un petit coucou à ma Cathy qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui travaille. Je pense fort à toi, ma bichette. Toc. Voilà. Voilà. Première étape, elle est faite. Donc on marque bien. On essaye de bien aller jusqu'à la pointe en aidant le papier à prendre la bonne forme. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et le principe en fait va être le même pour les deux autres morceaux que nous avons coupés tout à l'heure. Donc là, j'écrase mes petits bourrelets qui sont là. Donc ça vous arrive probablement lorsque vous coupez votre papier avec le coupe-papier. Vous avez le papier qui remonte un peu. Donc on passe le plioir dessus et ça disparaît. Elle sert à quoi? Béatrice, tu parles de quoi? J'ai dû rater un épisode. Elle sert à quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, si tu peux préciser, je te répondrai avec plaisir. Ok, donc pour la partie pli et coupe de ce morceau-là, on est ok. Je reprends maintenant mes deux autres morceaux que j'ai coupés tout à l'heure. Voilà, j'insiste bien sur les plis. Je passe là pour supprimer mes petits bourrelets. Toc. Alors, ces deux morceaux vont se présenter l'un en face de l'autre. Elle sert à quoi la carte? Elle sert à faire plaisir à quelqu'un et à l'envoyer, par exemple, pour un anniversaire ou pour des félicitations ou une fête ou voilà, en fait. Ok. Donc ces deux morceaux-là vont être face à face, d'accord? Et si vous regardez donc la carte originale, voilà, donc on a bien les deux morceaux ici en question, d'accord? Et on va venir créer donc les deux diagonales sur chacun des papiers. Donc on fait bien attention au sens de ces diagonales. Donc, vous voyez, on a les deux papiers l'un en face de l'autre. D'accord? Donc sur mon papier de gauche, ma diagonale va partir d'ici jusque-là. D'accord? Et sur celui-ci, va partir de là à là. D'accord? Je vous laisse la carte à l'image pour que vous puissiez faire attention. Et je vais moi aussi faire attention. Vous pouvez aussi le faire avec le coupe-papier, hein. Aucun problème. Donc je me place à la pointe. Je marque. Voilà. Donc là, j'ai mon premier morceau. Donc je vais
tranquillement les dés. On ne peut pas mettre un cadeau dedans. Ah non, ça va être compliqué. Ou alors, tu peux fixer peut-être une carte cadeau à l'intérieur avec un petit point de... avec un glue dots, par exemple. Mais sinon, non, c'est vraiment une carte, c'est pas une boîte. Ok, voilà. Et donc, bah pareil. Sur le deuxième, on ne se trompe pas de sens sur la diagonale. Regardez bien la carte pour ne pas vous tromper. Je vous parle de ça en connaissance de cause, puisque quand je l'ai préparé, je n'ai pas été assez vigilante et du coup, j'ai dû recommencer. Hop. Et voilà. Et en fait, cette partie-là qu'on vient de faire ensemble, donc sur ces trois morceaux de papier unis, c'était eh bien la partie la plus technique de la carte. Donc vous voyez, ça donne un effet super sympa. Voilà. Mais c'est hyper facile à réaliser. Donc je viens marquer correctement mes petits bouts. Et ce que je vais faire donc, petit conseil, lorsque vous pliez en diagonale et que vous voyez qu'il y a un petit bout ici, un petit chouïa qui vous agace, eh bien on vient pouf le couper comme ça. On est sûr que c'est super joli. Il y a toujours une petite pointe de papier là. Voilà, donc on vient tout bêtement la retirer. Voilà. Hop. Donc voilà nos deux morceaux. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez réussi à faire vos diagonales? Est-ce que j'ai été suffisamment claire pour vous expliquer le fonctionnement? Et surtout, est-ce que je vous ai rassuré sur la non-complexité de cette chose? Donc ça va être comme ceci. Impec Babou, super. J'adore voir ce genre de commentaires, ça me rassure. Beaucoup. Coucou Virginie, bienvenue ma belle. Alors, je vais tout simplement reprendre maintenant la base de ma carte. Ok? Ça te plaît, Coco? Chouette, j'adore. C'est très clair, Laurence, je te remercie beaucoup ma belle. Laurence est une de mes filleules et elle s'est lancée dans ses propres lives il y a quelques semaines. Je vous invite à la rejoindre le vendredi après-midi à 14h. Elle fait de très belles choses. Sophie, c'est bon, c'est calé pour toi. Bon, super, on peut avancer. Alors, je disais, je reprends la base de ma carte. OK? Et je pense que vous l'aurez compris, nous allons venir coller ces morceaux sur l'avant de la carte. Voilà. Donc, on va d'abord coller le haut. Donc, on n'oublie pas de laisser un petit rebord. OK? Donc, on essaye de centrer ça le mieux possible. Et on va venir, pareil, coller ça bord à bord, hop, et pareil, oups, c'est vivant. Voilà, donc on va coller tout ça et ils vont tous se toucher. Oh, je suis un peu basse, pardon. Ok, donc vraiment très simple. Alors c'est parti, donc je colle donc bien la partie plate, hein, et pas la partie où nous avons créé les triangles, bien sûr. Voilà. Donc je suis désolée, vous voyez encore le haut de mon crâne. Allez, Harmonie. Fais ça proprement. Voilà, on décale un peu. Voilà. Ok. Et je continue donc avec mes deux autres morceaux. On fait bien attention de les mettre face à face et de bien coller sur la gauche, donc celui-ci. Ok, donc la diagonale, elle est bien du haut à droite vers le bas à gauche. Et donc ce morceau, il vient se coller juste en dessous, tout au bord de ce qu'on vient déjà de coller. Voilà. Et on fait pareil. Pardon, avec le second. Bon, j'ai pris ma base de la même couleur que mes petits bouts. Il faut que j'aille chercher du blanc. Pas de souci, Babou, vas-y, tranquille. Tout va bien. Ouais, ils sont top, ces lives, c'est clair.
Sa page Facebook, c'est Scrap Passion 54. Voilà. On aligne bien tout ça. Super. De toute façon, les plis ici vont être cachés, hein, vous vous en doutez, avec un morceau de papier design. Donc, pas d'inquiétude. Voilà. Toc. On a le plus gros qui est fait. C'est bon tout ça? Ça bug chez moi. Vivement le 17 que j'ai enfin la fibre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as de la chance, Coco! J'attends avec ça, avec impatience. Tu regarderas en replay, hein, sinon tu le referas après. Mais là, on a fait l'essentiel de toute façon. Comme t'as peut-être pris les mesures auparavant sur l'événement du live, tu dois savoir à peu près ce qui va être mis maintenant. Alors, justement, ce qui va être mis, ce sont les papiers design. Alors, je vais mettre ici à l'intérieur un morceau qui va venir cacher tout ça. Comme je vous l'ai dit, je travaille avec la collection des pensées. Donc voilà. Mais en fait, je vais utiliser la partie Vichy ici. Ce morceau ici mesure 13,8 par 9,5. 13,8 par 9,5. Et je vais tout simplement venir le coller, toc, à l'intérieur. J'ai volontairement choisi de prendre le papier Vichy puisqu'en fait je veux le décorer. Je veux décorer cette carte à l'intérieur avec des découpes. Et je vais vous montrer ça tout de suite après. Ok, voilà. Alors, là, tout de suite, je suis en train de me rendre compte qu'en collant, je viens de faire une boulette sur l'idée que j'avais de ma déco. Mais bon, c'est pas grave, je vais gérer, ça va le faire. Alors, je vais maintenant prendre les morceaux de papier design qui vont nous servir à décorer nos petits triangles ici. Pour cela, nous avons besoin d'un morceau de papier design qui mesure 14 par 4,6. En fait, on va lui faire le même principe que ce qu'on a fait sur cette partie-là du nid. D'accord? C'est-à-dire que là, on ne va pas faire une marque, mais on va couper en deux et ensuite couper en diagonale, tout simplement. Là, par contre, comme tout à l'heure, il va falloir se méfier du sens de la diagonale, évidemment, d'accord, pour pouvoir coller donc et décorer ici nos petits triangles. Donc là, pour vous redonner une idée, voilà, on est en train de s'occuper de ces deux morceaux ici. D'accord? C'est bon tout le monde? Alors, je reprends mon coupe-papier. Voilà. Donc, je vous rappelle les mesures. 14 par 4,6. Je vais le mettre là pour que vous l'ayez à l'image. OK. Et je viens donc couper à la moitié, c'est-à-dire à 7 cm sur le bord long. Voilà. Et maintenant, je vais donc couper en diagonale. Alors, sachant que je reprends ma carte pour être sûre, c'est vraiment histoire de ne pas se tromper. C'est donc cette partie-là que je vais couper pour la partie gauche. Pardon, je suis encore trop basse. Donc, cette fois, pour la partie gauche, je vais couper du haut gauche vers le bas droite. OK. Et pour celui-ci, le haut droit vers le bas à gauche. D'accord? Faites-vous confiance et utilisez donc votre base de carte pour bien vous assurer que vous coupez votre papier design dans le bon sens, dans la bonne diagonale. D'accord? C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc, c'est parti, je revérifie une fois. Donc ici, je suis sur la partie, le triangle gauche. Donc voilà. Petit conseil, quand vous découpez avec le coupe-papier et que vous coupez en pointe, attaquez d'abord au milieu du papier. Et pas directement depuis la pointe, sinon votre papier risque de rentrer à l'intérieur. Non, Babou, ne tremble pas, tout va bien se passer. Ok, donc ça va venir ici. Nickel. Hop, et donc le second, je vais vous parler de celui-là après.
Et le second, on fait attention, donc depuis le haut droite vers le bas à gauche. Ça va, je vous ai pas perdu, tout va bien? Après, Francine, chaque chose en son temps. Je vais vous dire ce qu'il en est. Toc. Ok, donc là j'ai mes nouveaux triangles. Donc celui-ci, c'est celui qui va venir en bas à droite, ici. Alors, donc, je vous explique. Sur ma carte originale, effectivement, je n'ai pas décoré ici. Mais vous pouvez tout à fait le faire, bien sûr, en utilisant les autres triangles qu'il vous reste. Là, c'est un choix parfaitement personnel. Voilà. Soit vous le laissez comme ceci. D'accord? Ce que j'ai fait sur ma première carte et ce que je vais réitérer ici. Mais vous pouvez également. J'ai pas pris le bon. Voilà. Vous pouvez tout à fait venir décorer ici avec vos autres morceaux. Voilà. Encore une fois, tout est ouvert en scrap et en carterie. L'essentiel, c'est de vous faire plaisir. Si vous ne voulez pas les utiliser, vous pouvez parfaitement les utiliser pour une autre création ou même encore l'intérieur complet de votre carte aussi. Voilà, il y a plein de possibilités. Ne vous inquiétez pas. Je viens coller ça tout de suite avant de les perdre. Et on va faire exactement la même chose pour les triangles du bas. Voilà. Ça va, vous arrivez à suivre, tout va bien pour tout le monde. Ça vous plaît toujours? Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos murs, vos profils, dans vos groupes préférés. Attention, pas sur les groupes de mes collègues, s'il vous plaît. Par respect pour notre travail à chacune. Toc. Et voilà. Ça, c'est cool. Oula! Décidément, tout vole aujourd'hui. Je viens maintenant m'occuper donc de papier design pour ces petits triangles-ci. Le principe est le même hein, que ce que je viens de vous dire. Je laisse moi le papier uni, parce que j'aime beaucoup voir la couleur aussi de nos papiers unis qui sont vraiment très belles. Donc ici, j'ai utilisé Corail Calypso, ici le Papaï Pal. Mais encore une fois, libre à vous de les utiliser en totalité ou non. Pour cela, il vous faut donc deux morceaux de 6,8 par 4,6. Ou aussi coller le côté Vichy sur le grand triangle. Oui, on peut vraiment, il y a plein, 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 plein de choses qui sont possibles, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, même principe. Voyez mes petits papiers là. Toc, eh bien, je viens couper en diagonale, donc de la droite vers la gauche pour celui ici, et ici, de la gauche vers la droite en bas, ici. Ça marche? Faites confiance à votre carte et laissez-vous guider par elle et par les plis que vous avez faits juste avant. Voilà. Super, donc voilà le premier, tac tac, et le second, je ne me trompe pas de sens. Bon, là on est sur des petits morceaux de papier, donc c'est pas dramatique hein, si on se trompe de sens, mais ça a un côté un peu rageant. Je sais qu'il y en a qui sont assez pointilleuses et je les comprends. Alors, et bien voilà, maintenant je vais pouvoir coller ça. Je reprends les bons morceaux. C'est bien, ça fait travailler le cerveau, la dextérité. Ça fait un petit côté puzzle. Bon, facile, hein, le puzzle, j'avoue, mais... Toc, on vient coller. Voilà. Voilà, tout de suite, ça va aller mieux. Bon, après, je vais être obligée de faire quelque chose que je vous déconseille formellement de faire à chacun de mes lives, à savoir tamponner après avoir collé.
Donc, il ne faut pas garder en mémoire ce que je vais faire dans ce qui va suivre dans quelques minutes. Je mets vos neurones en action. Rassure-toi, je mets les miens aussi. Surtout en ce moment. Toc. Je viens coller et ça prend déjà une super tournure. Ça va être sympa, hein? Alors, celle qui était motivée par les pensées, ça va? Ça vous conforte dans vos envies, dites-moi. Donc, je vais donc prendre mes encres et mes tampons pour venir tamponner donc ce fameux papier design qu'évidemment j'aurais dû faire bien avant de coller. Donc surtout ne reproduisez pas ça, ne venez pas tamponner votre papier après l'avoir collé. Toujours avant. D'accord? Toujours avant. On ne fait pas ce que je fais là tout de suite. Je prends tout de suite. Je reprends mes blocs parce que j'en ai pas pris assez. Ouais, ils veulent pas venir avec moi, les vilains. Donc, j'ai mes pensées, j'ai mon encre et il me manque juste une encre. Hop. En fait, je veux simplement venir tamponner les tiges ici de mes futures pensées. Voilà. En fait, on a des tampons qui sont en deux fois. Donc, on a les contours et la colorisation. Donc là, je prends ma petite tige ici. Oui, non, bah bouge. Surtout, je l'avais dit tout à l'heure. On ne colle pas si on a l'intention de tamponner. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire du tamponnage sur votre papier design, attention, mais c'est en règle générale, de manière générale, on ne tamponne jamais après avoir collé. Coco, du coup, oui, tu préfères les pensées. Toujours pour les pêches Laurence. Béatrice, oui, tu loupes à chaque fois, donc oui, effectivement, il faut vraiment tester avant. Je prends mes petites feuilles, voilà. Ça va être en deux générations. Toc. Est-ce que j'ai le tout là? Oui, normalement, j'ai le tout. Ça devrait aller. Alors, je vais dans un premier temps tamponner les tiges en soyeuse succulente. C'est un verre qu'on aime beaucoup. Ça permet de donner un petit peu de cachet à ce papier Vichy un peu plus. Hop. Donc, je viens directement tamponner dessus. Voilà. Hop. Et une petite dernière, un peu plus haute. Tiens. Voilà. Ok. Ça, donc, c'est ma tige. On veut aller vite, mais du coup, on n'y arrive pas. Voilà. Ensuite. Les petites feuilles, alors j'en ai plusieurs, vous allez voir. On a d'abord, je vais vous montrer, donc le contour ici. Donc je vais le tamponner en clair. Et ensuite, je vais utiliser donc celui-ci pour utiliser l'épinette enivrante. Vous allez voir, je vais vous montrer en direct, ça va être encore plus simple. Donc, je tamponne dans le soyeux succulent qui est le plus clair. Je viens appliquer. Voilà. Même principe avec l'autre feuille qui est un petit peu plus allongée aussi. Elles sont vraiment très belles. Voilà, on va en mettre une ici. Et puis, je vais en mettre une là. Voilà, donc là c'est en soyeuse succulente et en fait pour lui donner du relief, on a le deuxième tampon qui est coordonné à la feuille. Voilà, et celui-ci, je vais utiliser épinette enivrante. Vous allez voir, ça va être super joli. Bon courage Héloïse. Gros bisous ma belle. Et là, ça va tomber pile poil. Et voilà, vous avez vu, ça donne super bien. Ça donne du relief à nos petites feuilles.
Hop, donc ça c'est pour la plus allongée et on a le même principe donc pour la feuille qui est un petit peu plus ronde que j'ai faite là en premier. Toc. Voilà. Alors là avec ma lumière au-dessus c'est limite, mais voilà. Donc ça va être très simple et du coup je vais venir maintenant m'occuper de mes pensées. Et pour cela, petite astuce, donc il y en a deux. Avec les pensées, donc vous pouvez tamponner. D'accord? Et venir les découper avec les poinçons coordonnés qui sont ici. Je vous ai montré tout à l'heure, mais là vous les voyez. Voilà. Donc on a les contours, etc. Mais on peut aussi les découper directement dans du papier uni ici. Et puis évidemment avec le côté embossage, vous voyez. C'est juste trop beau. On a les découpes ici de nos feuilles. Donc ça, c'est la première option. Tamponner et découper. La deuxième option, c'est tout simplement de venir directement découper le papier design. Parce que ça, vous pouvez le faire en fait. Les poinçons sont coordonnés aux grandes pensées et aux petites pensées. Donc du coup, dans une grande feuille 30-30, eh bien, vous avez tout un tas de fleurs qui sont à votre disposition. Si vous manquez de temps, par exemple, c'est super pratique. Voilà. Alors, je vais le faire avec vous, je vais en faire une avec vous pour vous montrer. Pour cela, j'utilise donc ma mini machine. Je vous disais qu'elle était extrêmement légère, donc je vous montre qu'avec mon petit doigt, je la soulève sans problème. Elle est vraiment idéale pour le transport et les petits espaces. Toc, j'ai préparé un petit morceau de papier ici. Alors. Voilà ma grande pensée ici. Hop, nickel, et je vais pouvoir venir découper directement dans le papier avec mon poinçon dans la mini. Et c'est parti en mouline. Les pensées imprimées sont magnifiques. Ouais, c'est vrai qu'elles ont un super rendu, elles sont vraiment très belles. Hop, voilà. Et du coup, voilà. Et ça, vous pouvez faire avec toute votre feuille. Donc, dans le paquet de papier, vous avez deux feuilles 30-30 avec donc ces motifs de pensée grandes et petites. Et du coup, vous pouvez à chaque fois les découper. Donc, c'est super pratique. Je ne vais pas faire la deuxième pour gagner un petit peu de temps parce que j'en ai déjà découpé à l'avance. Hop, je voulais vraiment vous montrer le côté ludique et pratique, non seulement de la machine, mais aussi du papier design. Et du coup, je vais procéder à la déco. Oui, elles sont magnifiques ces fleurs babouches, je suis tout à fait d'accord. Donc, je viens décorer. Hop, je prends mes pensées ici. Donc, j'en ai déjà découpé plusieurs, hein, vous voyez. Toutes ces belles couleurs. Donc, là, les petites, on a les grandes aussi. Donc, vraiment, trop sympa. Et du coup, je vais venir tout simplement venir coller hein, mes feuilles, mes fleurs. Je me rappelle que tu avais compté les fleurs et les feuilles. Oui. Alors, je crois que de mémoire, il y avait 54 pensées dans une feuille 30-30. 54? Ouais, ça doit être 54. Et les feuilles, parce qu'effectivement, Sandrine a raison, il y a une autre feuille de papier design dans laquelle vous avez ces feuilles-là à découper. Et là, je crois qu'il y en a genre 113. Oui, c'est ça ma routine. Il doit y avoir 113 feuilles à découper au poinçon directement dans le papier design. Donc, il y a vraiment largement de quoi faire. On est d'accord. J'avais préparé mes dimensionnels. Mais oui, bien sûr, Harmonie, ils sont là, juste là. Je vais les mettre en 3D, mes deux grandes ici. Donc, je vais prendre la jaune. Voilà, ça va vraiment donner du relief à la carte qui a déjà un petit peu de volume, bien sûr, avec nos triangles. Toc. Voilà. Bon, bien sûr, ce sont des suggestions de décoration, hein, mais il en existe tellement d'autres. Faites-vous plaisir. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir, pour celles qui sont en train de scraper en même temps que moi, vous travaillez avec quoi? Avec quelle collection, par exemple, quel produit, ou alors un thème? Dites-moi, dites-moi.
Allez, hop, c'est parti. Voilà, je vais venir la mettre ici, un petit peu plus là. Voilà, nickel. Pour faire tenir mes deux triangles ici, donc là vous voyez que j'ai mis deux petites fleurs, donc qui sont dans le dessin de tampon de pêche. Et là en fait, je vais plutôt mettre une petite pensée que je vais mettre au centre ici. En 3D, bien sûr. Voilà, donc je vais venir m'assurer que c'est à peu près centré. Et puis je vais venir coller ici ma pensée. Voilà, je vais venir la mettre comme ça. Alors, pour ça, c'est pareil, dimensionnel. Avec les orchidées, je les ai jamais eues, celles-là, Marie-France. Enfin, je les ai vues, mais jamais eues. Et du coup, elles étaient vraiment très belles. Mais j'étais pas encore démo à l'époque, je crois. Oui, Nathalie, pas de souci. Bon courage pour ton rendez-vous. Et à très bientôt. D'ailleurs, les boxeuses, vos box sont parties aujourd'hui. Elles ne devraient plus. Enfin, elles ne devraient pas tarder à arriver. Alors, on va essayer de viser ça correctement. Que ce soit à peu près égal, ça me paraît pas mal. Oui, ça va le faire. Ok, et du coup, eh bien, je veux bien sûr que ma partie du haut ici elle se tienne aussi. Donc, il va falloir que je les fasse retenir par quelque chose. Eh bien, je vais pour cela utiliser. Ah, j'en avais encore là. Peut-être les reconnaîtrez-vous. Les petits bourdons. Je vais en mettre un de chaque côté avec des glue dots. Hop, qui sont juste là. Voilà. Des glue dots pour les faire tenir. Non, non, je tremble pas du tout. Voilà, et du coup là, voilà, je vais coller mon petit bourdon ici. Hop, je peux même faire glisser mon papier légèrement sous l'aile de mon petit bourdon, donc c'est idéal. Voilà, ça va donner un petit côté brillant à la carte et encore plus un effet printanier, je trouve. Voilà. Donc je fais pareil ici. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit à peu près même endroit. C'est pas là que je veux que tu te colles. Allez, je vais y aller à la main, hein. Voilà. Hop, nickel. Comme ceci. Et voilà, il manque juste une petite chose. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Je vais mettre des petits bijoux. Juste un petit bijou sur ici. Ma petite pensée. Un petit bijou au centre. Bijou classique en perles, j'aime beaucoup ça. Voilà. Hop. Je savais que tu sèmerais le doute dans mon esprit. Et voilà notre deuxième carte 3D, une carte en volume qui laisse apercevoir notre petit bouquet de pensées à l'intérieur. Donc vous pouvez aussi vous amuser à décorer l'intérieur de votre base de cartes, hein, bien sûr. Je vais le faire, mais je vais vous libérer pour que vous ayez le temps aussi de vaquer à vos occupations. Coucou Karine, tu arrives tardivement, mais c'est pas grave, ne t'en fais pas, tu pourras regarder le replay sans aucun problème. J'ai eu la notification
Normalement, je reçois la box. Sandrine, c'est parti aujourd'hui, ma belle, ta box. Donc, normalement, non, la notification de vendredi, c'était pas moi. Béatrice, tu trouves ça marrant? Bon, bah, c'est super. Et voilà, donc ça y est, elle est finie. Donc, on voit ici notre bouquet de pensées. Voilà. Avec les jolis petits bourdons. Voilà, je peux vous garantir que la personne à qui vous allez l'envoyer, eh bien, elle va faire de l'effet, cette petite carte. Donc voilà la version pensée. Toc. On va aider tranquillement le papier s'il rebique un peu avec le plioir pour aider le papier à bien prendre la forme. Hop là. Voilà, ça l'aide en général. Et ici, voilà. Donc avec le bazar sur le bureau, c'est quand même un peu moins fun, mais bon. Et on a la version ici avec les pêches. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ah, ça doit arriver vendredi. Ok, alors c'est parfait. Donc voilà, ça y est, on arrive à la fin de la création de cette petite carte. Oui, Sandrine, j'avais mal compris ton message. Excuse-moi. Excuse-moi, je suis confuse. Coco, ça te plaît vraiment? Bon, c'est super, je suis très contente. Merci Karine, n'hésite pas à consulter les replays, soit sur ma page, sur la chaîne YouTube ou sur mon blog, parce que là, du coup, tu pourras retrouver la fiche technique d'ailleurs, avec les schémas, les mesures, voilà, toutes les explications pour réaliser à ton tour cette petite carte. Oui, on veut voir, exactement, on veut voir. Merci Véronique, c'est adorable. Merci Nicole, merci Laurence. J'espère que ça vous a plu. Marie-France, tu me montreras aussi, hein, bien sûr. J'espère que vous aurez passé un beau moment. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter, à publier vos créations aussi, ça me ferait plaisir de les voir. N'oubliez pas le hashtag HarmonyScrap, bien sûr, pour que je sois notifiée. Merci Claudine, bon après-midi, il n'y a pas de souci, il y aura le replay. Et puis oui, partagez, montrez-moi un petit peu vos belles créations, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Karine, pas de souci, envoyez-moi votre message, je vous renseignerai avec plaisir pour la box. Pour la box mensuelle d'avril, les inscriptions seront ouvertes le 15 mars, dès la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas et contactez-moi d'ici là si vous avez des questions, comme va le faire apparemment Karine. Voilà. N'oubliez pas, je clôture les inscriptions pour la crop virtuelle. Je clôture ce soir ou demain matin au plus tard à 8 h. Donc si vous avez envie de me rejoindre et rejoindre les personnes qui sont déjà inscrites pour réaliser donc l'album Notre Famille, il est encore temps. Les liens sont au-dessus de la vidéo sur Facebook et dans la barre d'infos avec plein d'autres infos sur YouTube. Voilà. Je vous souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre gentillesse, votre bienveillance à mon égard. Je passe toujours un moment incroyable avec vous. Alors merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Ça vous dit? Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao tout le monde.